Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Donc petite vidéo pour vous présenter la nouvelle petite pièce que j'ai fait en 3D. En fait, donc suite au renfort de ma potence. Si vous voulez voir la vidéo, je vous mets une petite fiche en haut à droite. Suite à ce remplacement, je me suis dit que aussi j'allais protéger en fait le dessous. Là qui est creux, là aussi qui a la tête du vis. Des projections d'eau, de poussière, etc. Donc j'ai créé un petit bouchon en fait en 3D. Donc je l'ai fait en flex. C'est assez mou. J'ai prévu donc un petit trou au cas où pour l'évacuation. Je pense pas que de l'eau puisse s'infiltrer, mais on sait jamais. Donc un petit trou pour l'évacuation. Avec un petit chanfrein qui laisserait couler l'eau. Donc, je vous mets le fichier 3D en description. Donc, après, pour le mettre en place, ben, c'est pas compliqué. Il est de la bonne taille. Donc, on le met, on le pousse. Ça reste discret. Et au moins, la tête du vis est protégée. Normalement, il n'y aura pas de poussière qui va rentrer dedans. Donc si vous voulez le fichier, il est dans la description. Je vous le mets en libre accès, hein, vous en faites ce que vous voulez. Personnellement, moi je n'imprime pas de pièces pour qui que ce soit. Donc si vous voulez faire imprimer la pièce, il y a des sites sur internet qui impriment des pièces. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a une imprimante 3D, vous lui demandez. Hein, c'est fait en une demi-heure. Et au moins. Vous pouvez protéger votre trottinette. Voilà, petite vidéo de présentation de ce petit bouchon. Donc si ma vidéo vous a plu, pardon, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des commentaires pour me soutenir. Et je vous dis à la prochaine sur Nano Labo.